Donc nous recevons l'équipe d'Angleterre qui a gagné son premier match du Mondialito, donc 2-1 face à la Russie. Donc un match compliqué, arraché à la dernière minute. Donc coach, comment avez-vous abordé ce premier match? On est passé avec l'équipe bien comme il faut, c'est bien préparé. Après bon, on a fait pas mal de routes, bon, c'est les aléas comme toutes les équipes. Après on est bien rentré dans le match. Après voilà, on a pris un but, donc il n'y a pas d'enjeu, pas l'habitude. Mais bon, on va falloir travailler sur le deuxième match, comme Lazac. Et après, voilà, on arrache le match à la dernière minute. C'est presque un hold-up, mais bon, après, je pense que dans le match, on a été plutôt à l'aise. Par le joueur. Donc l'équipe de Russie nous disait que apparemment vous aviez plus d'impact physique. Est-ce que le physique y a fait sur ce match? Bah pas tellement. Un peu quand même, oui, on était plus dans l'impact physique, mais c'est pas ça qui a joué pour tout. Donc la tactique et peut-être la technique ont fait la différence sur ce match? Parle plus près. Je pense pas. Enfin, après, on a été. Voilà, comme Céline l'a dit, on était plus dans le physique. Après, la tactique, des fois, on était trop haut et. Enfin, après, ça a donné une victoire. Des règles de jeu donc qui sont différentes que ce que vous avez à l'année. Pas de hors-jeu. Est-ce que ça vous a. Apparemment, sur le dernier but, ça vous a. Sur l'égalisation, ça vous a eu un peu. Donc, est-ce que vous allez faire attention sur les prochains matchs? Bah oui, on va essayer, mais après, on a travaillé ça à l'entraînement. Maintenant, on va avoir l'habitude. Du coup, on a juste à se mettre en route avec cette règle, puis après, ça va aller tout seul. Coach, est-ce que vous allez changer votre discours donc par rapport à cette règle que vous n'avez peut-être pas forcément fait attention en début de tournoi? Après, ça fait déjà 2 semaines ou 1 semaine qu'on travaille sur ce positionnement. Et je pense qu'après, voilà, il faut prendre juste le marquage et vérifier les joueurs libres dans leur dos. Après, voilà, c'est juste de l'attention, de la concentration. Après, je pense que niveau concentration, il faut qu'il soit au top si on veut faire un beau tournoi sur 2 jours. Et je pense que c'est un bon tournoi, donc il y a moyen de s'éclater. On sent que votre coach a déjà regardé, il nous dit que ça fait 15 jours qu'il prépare cette règle. Donc est-ce que vous l'écoutez bien? Est-ce que vous êtes bien attentif à toutes ces consignes? Bah oui, parce que sinon ça peut nous coûter des buts comme celui-là et des matchs. Du coup, il faut qu'on soit très attentif comme il a dit. Donc on sait que vous êtes l'un des favoris de ce tournoi. Qu'allez-vous faire donc pour pouvoir peut-être le remporter? Bah, il faudrait être dans tous les duels. Jouer correctement, être là techniquement, physiquement, et après on peut le faire. Est-ce que, au vu des équipes que vous avez déjà vues, est-ce que vous pensez que vraiment vous avez vos chances pour le remporter ce tournoi? Bah, on a un bon groupe, donc oui, si on met la volonté, l'envie, l'impact, on peut largement le gagner. Bah, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, merci à vous.